Cher Farid, vous êtes un homme de projet. Première cuvée de Jean-Michel Aulas, le projet du grand Toel féminin. Comme pour le bon vin, les filles ont des jambes, la terre est fertile, le soleil gonne de l'or intelligent. Vous bonifiez l'Olympique Lyonnais avec la primauté du Grand Cru féminin 2007. Champion de France, vous avez la cote dans le Rhône, 4 étiquettes portent votre appellation. Et puis en 2010, pour votre pot de départ, un vin d'honneur. Une première finale européenne rend la Rhodanie guillerette. Des tirs au but pour déraper, le poste d'âme de Lyra Alouchi pour la sortie de route. Première langue aussi, ou plutôt le russe en LV1, le double projet slave. Double, car vous êtes éloquent. L'équipe nationale et le club de Rosianka. Deux sujets d'expression pour 9 mois de folklore. C'est loin d'être la Bérézina. Vous quittez l'Oural avec un quart de champions et un championnat de Russie en bouche. Premier de cordée pour rêver plus grand, le projet qatari de Nasser El Khelaifi. Vous brûlez les étapes, 3 ans après votre arrivée, sans passer par la case des unes, l'ascension du Mont Ligue des Champions. En rappel, avec votre fidèle Shirley Crous, aka l'assurance tout risque, vous accrochez une finale historique au départ de Paris, Road to Berlin, arrivée prévue le 14 mai, plus qu'une enjambée avant les sommets. Et plus que premier, c'est parce que vous êtes un pionnier du foot féminin que vous êtes là ce soir. Pour travestir Étienne de la Boétie, soyez résolu à jouer en première intention, et vous voilà libre.